Eh. Ah. Maman. Hey. Mon maman. Fils. Hein? Tu es déjà habillé à cette heure. Où vas-tu? Maman, nos prières ont été exaucées. Hein? Oui, maman. Hey, mon fils, s'il te plaît, vas-y, raconte. Maman, est-ce que tu te souviens du concours de talent organisé par l'équipe d'Arsenal? Oui, oui. Maman, devine quoi? Quoi? Maman, j'ai été sélectionné pour faire partie de l'équipe d'Arsenal. Voilà! C'est pas vrai. Oh, mon Dieu, je viens justement de recevoir l'appel de mon coach. Et il m'a dit qu'on doit se voir urgemment. Je suis venu premièrement à la maison pour te dire que je suis retenu. Eh ouais, je suis contente, je suis très contente. Une chose, tu sais que on aura besoin d'un avocat familial. Exact. Je crois que ça ne sera pas un problème. Je vais appeler Maître Agnès. Tu la connais, n'est-ce pas? Oui, oui, hein? Je la connais très bien. Je viens d'abord avec eux à la maison. Maman, tu ne vas pas aller vendre aujourd'hui? Non, j'irai vendre. C'est juste que je n'irai pas très loin de la maison aujourd'hui. Je serai seulement dans le parage, dans le quartier, mon fils. Donc, dès que tu seras de retour à la maison, appelle-moi et je reviendrai. Ok, mais laisse-moi prendre quelques beignets. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, remets ça. Maman. Remets vite. Maman. Remets mes histoires. Calme-toi, maman. Laisse, non? Dans peu de temps, je serai le multimillionnaire. Fiche-moi la paix. Et je pourrai acheter tous tes beignets. Tu t'es lavé, tu t'es habillé pour venir manger. Maman, j'ai pris seulement un. Allez, prends rapidement et va-t'en. J'ai pas envie que tu arrives en retard. Maman, laisse-moi. Attends. Maman, laisse-moi juste prendre. Hein? Tu sais que j'aime tes beignets. Ça te va? Oui. C'est tout ce que tu prends? Oui, oui. Hey! Jinekeo! Hey, Dieu, je te remercie. Je te remercie infiniment pour m'avoir donné Maxwell comme fils. Hein? Tchai! Je suis très heureuse parce que bientôt ces rêves vont se réaliser. Qu'est-ce que je peux encore dire? Hein? Dans très peu de temps, il deviendra millionnaire. Et on va m'appeler la maman des millionnaires. Hey! Hey, wow! Dieu, je te remercie. Hey, Chineke, Dieu qui est comme toi. Mes clients, attendez-moi, j'arrive. La pâte arachide prête. Votre beurre de cacahuètes. Oh mon Dieu. Hey. Obadioku. Tu ne vas pas acheter aujourd'hui. Oh, tu es venue aujourd'hui? Oui, je suis venue. J'ai cru que tu n'allais pas passer aujourd'hui. Hey, aujourd'hui, je ne veux pas aller manger. Hein. Tu le fais très bien, merci tu sais. Merci beaucoup, cliente. Viens demain, tôt le matin. Je viendrai, attends. Je serai ici faut tôt. Venir, attends. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon marché. Merci. À demain. Oh. Achetez le beurre des cacahuètes. Achetez au quoi? Hey, où sont passés mes clients? Aujourd'hui, le marché n'est pas bon. Oh. Oh, quoi sucré? Oh, quoi sucré? Achetez votre beurre de cacahuètes.
Chauffeur, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, je pense que je dois acheter les carburants là. Où ça? Pourquoi t'avais pas mis les carburants avant? Je dois partir quelque part, non? Oh. Allô, coach? Oui, monsieur, je suis en route. J'arrive, monsieur. Ah. Et l'argent? Tu sais bien que je suis pas encore arrivé, on est encore en route, hein? Mais la moto s'est arrêtée, non. J'ai une plus d'essence. Je dois acheter. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que vous pouvez m'aider à les pousser? Aidez-moi, s'il vous plaît. On va les pousser jusqu'où? Ah! Je n'ai pas le temps à perdre. Hein. Alors, on va faire comment, là? Parce que je dois partir, là. Mais, monsieur, ce n'est pas de ma faute. C'est juste la moto. Je ne peux pas attendre. J'ai d'autres choses à faire. Mais, monsieur, mon argent. Monsieur! Amaka, qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein? Maintenant, suis ce garçon qui a mis un polo blanc avec un jean noir. Il a pu voler quelque chose et il l'a gardé dans son sac. Bouge! Ha, si tu ne l'attrapes pas, je vais soutirer quelque chose de ton salaire. C'est quoi ces bêtises? Peux-tu imaginer? Excusez, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Amaka? Oh, quoi sucré? Vous voulez acheter? Oui, c'est combien? 200. Donne-moi un. D'accord. Hey, client. Es-tu sûr que c'est sucré? Monsieur, vous ne me reconnaissez plus. C'est pour cette raison qu'on m'appelle oh, quoi sucré. Mais tu as réduit la quantité, hein? Ah, client, ne vous fâchez pas. Vous savez très bien que ces derniers temps, les choses sont devenues dures dans ces pays. C'est bon, je vous ajoute une petite quantité. Je suis ton client. Oh, client. Hey. Merci, hein? Madame, comment ça se passe pour votre fils là-bas? Hein? Je viendrai, client. Ne vous fâchez pas. Oui, parce qu'on attend pour lui regarder à la télé. Je viendrai. Tu n'as pas un sachet noir? Désolé, client. Débrouillez-vous seulement avec ce que vous avez. D'accord, merci. Ne vous fâchez pas. Oui, oh, merci. C'est ça, client. Merci. Hey! Votre beurre de cacahuète est là. Hé, hey, hé, toi! Allez, voler! Voler! Attrapez-les, C'est un voleur! D'accord, monsieur, je suis déjà en route. J'attends justement le transport. Oui, ok. Ok, d'accord, monsieur.
C'est aujourd'hui. Tu verras aujourd'hui. Allez va en enfer. Nous t'avons attrapé. Voleur, attends. Tu vas mourir aujourd'hui. Attends. Voleur. On va voir. Tu vas regretter. Attends. Tiens bien. On va t'achever aujourd'hui. Attends. Tu seras achevé. Attends. Voleur. J'ai la faim. Tu as volé. Tu continues de parler. Arrête de mentir. Madame, qu'est-ce qu'il nous fait? Arrête de mentir. Attends, tu vas voir. Tu vas mourir. Attends. Je ne vais jamais venir voler dans ma boutique. Maman, il y a un problème. Quel problème? Il y a un groupe de gens en colère là-bas qui veulent mettre Maxwell en feu. Quel Maxwell? Votre fils, bien sûr. Venez, madame. Ils veulent le brûler vif. Comment ça? Ils veulent le brûler. Le feu. Jungle justice. In the silence of the night,
I heard the drums, the beat of the spirit, as the law of the jungle takes its seat. Jungle embraced me, I cannot hide. My dream is shattered, tomorrow is gone. Scuffed in both hands, tied to dust. Another villain, now a victim. Sound so loud, but no one hears. Jungle justice, jungle justice. No one heard me cry. Jungle justice, que j'ai donné naissance à Maxwell, jusqu'à ce que cet incident puisse se produire. Mon fils Maxwell n'a jamais été accusé de quoi que ce soit. Il n'a jamais été impliqué dans un crime. Il ne m'a jamais volé de l'argent ou volé quoi que ce soit à qui que ce soit. Il a toujours été concentré à son carrière de footballeur. Je ne sais pas comment tout ceci s'est produit. Avant qu'aujourd'hui, il était venu avec une bonne nouvelle à la maison. Il m'a dit qu'il était sélectionné. Il a été sélectionné pour aller jouer dans une équipe de jeunes talents, c'est ce qu'il m'avait dit. Je ne sais pas. D'ailleurs, j'avais l'intention de venir chez vous pour que vous puissiez devenir notre avocat familial. Mais je ne sais pas comment tout ceci est arrivé. C'est bon. Qui sont ces amis de Maxwell? À ce que je sache, Maxwell n'a jamais eu d'amis. Comment es-tu sûre qu'il n'a pas volé? Même si c'était le cas, est-ce qu'ils étaient obligés de les traiter de cette façon? Étaient-ils vraiment obligés de les brûler vifs? Ok. Conformément à l'article 23, alinéa 1 de la Constitution de la République fédérale du Nigeria de 1999, stupide que tout être humain a droit à la vie et que personne ne peut se priver intentionnellement de cette vie. Toute personne impliquée dans cette affaire sera arrêtée un à un. J'ai entendu ton cri. Sache que je resterai toujours à côté d'une justice équitable. Tu ne mérites pas cela. Peu importe le problème. Et personne ne le mérite non plus. Merci. Je vous en prie. Aidez-moi. Ok. Aidez-moi. Monsieur l'avocat, Mazou m'a appelé pour m'informer qu'il y a une personne qui était venue à la maison. Et cette personne a porté plainte contre moi. Selon cette accusation, il est dit que j'ai organisé quelque chose pour tuer un homme innocent. Monsieur l'avocat, ce garçon est le même garçon qui a volé quelque chose dans ma boutique. Le garçon en question a été tué. Monsieur l'avocat, je n'ai pas tué ce garçon. Et j'ai tout fait pour calmer les gens, mais je n'ai pas pu le retenir. Je peux même te montrer la vidéo, comment il était en train de voler dans ma boutique. Tu sais que maintenant il s'agit du cas d'un meurtre. Car la loi dit que personne n'a le droit d'ôter la vie de qui que ce soit pour quoi que ce soit. Tu aurais dû simplement te saisir du garçon et après te livrer à la police.
Mais malheureusement, ce garçon est mort. Tout d'abord, j'aurais besoin de voir la pièce à conviction en ta position. Et deuxièmement, s'il faut que j'enterre cette affaire, pour toi, ça va te coûter 10 millions de naira. Exact. Simplement parce que c'est un cas très compliqué. Car il y a plusieurs preuves contre toi. Sur la vidéo que j'ai vue, tu étais en train de gifler le garçon. Et plusieurs de tes travailleurs étaient également sur cette vidéo. D'ailleurs, tu es celle qui a sonné l'alarme qui a conduit ce garçon à sa mort. Bien, toutes ces choses ne sont absolument rien pour moi. Parce que j'ai géré des cas bien plus grands que ça. Et j'en suis sorti victorieux. Tout ce qui te reste à faire, c'est de payer 10 millions de naira. Et là, tu seras victorieuse. Maître avocat, 5 millions. Tu ne comprends apparemment pas ce que nous avons sur la table. Toi et moi, nous connaissons depuis très longtemps. Des cas comme celui-ci peuvent ruiner une réputation. Ils peuvent t'envoyer en prison pour le restant de ta vie. Et pire encore, tu pourrais perdre ton business. Mais c'est l'avocat, c'est bon. Je ne vais pas perdre mon business à cause de tout ça. Je te donnerai les 10 millions. Merveilleux. Dès demain matin, je vous enverrai une copie de la pétition. Monsieur l'avocat, je vous fais confiance. Fais-moi confiance. Je changerai ce cas en ta faveur. Et il n'y a rien qui va arriver. C'est bon. Je fais ce travail il y a très longtemps de ça. Jungle justice. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment tu vas? Oui. Madame, votre téléphone. Oh, merci. C'est très gentil. Qui est-il? C'est mon fils. Votre fils? Oui. Vous avez un grand garçon comme ça? Oh, oui, madame. Bonjour, madame. Ça va? Je veux bien. Très bien. Oui. Oh, merci beaucoup, j'ai apprécié. Madame, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous dire. Ok. Oh, madame, désolée, j'avais l'intention de répondre avec le business. Donc, à chaque fois que je n'aurai pas le temps, il viendra faire le travail à ma place. Sera-t-il en mesure de le faire? Ne part-il pas à l'école? Oh, il est presque à la fin de l'école secondaire, mais il envisage de devenir footballeur, madame. Tu es un footballeur? Oui, oui, tu sais, madame. J'ai toujours été émue de voir ces grands joueurs dans le terrain en train de jouer Mbappé, Messi et tous les autres. Je crois que tu feras une bonne carrière, ok? Bonne chance à toi. Il joue très bien, madame. Merci baseball, beaucoup. Avec ses tailles? Oui, oui, madame. Ok, c'est bon. Ah, je suis très contente. Merci beaucoup, madame. Merci. À plus tard. Remets-toi au travail. Allez, va balayer là-bas. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, comment tu vas? Je veux bien, madame. Vous m'avez appelé. Oui. S'il te plaît, peux-tu m'aider à retirer 100 000 naira dans mon compte? Le D'accord, nom du compte, madame. C'est PS Lady. D'accord, madame. D'accord. Le PIN. OK. Le code PIN, c'est 444. Oh, 444. Oui. Oh, tu n'as pas traîné. Oui, madame. Merci beaucoup. C'est très gentil. J'apprécie. Merci.
Tiens, ça c'est pour toi. Non, 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 madame, j'en ai pas besoin. Tu peux l'utiliser pour le dîner. Non, non, madame, ça va aller, je veux bien. C'est pas important. Es-tu sûre? Oui, madame. Ah, d'accord. Merci. D'accord, je rentre, madame. Ok, c'est bon, je crois que c'est tout pour l'instant. Okay. Bien. À ma connaissance, ce garçon n'était pas un voleur. Il était très respectueux. Il était un bosseur, un jeune garçon très promettant. Il est parti si tôt à cause d'une justice bafouée. Je me demande, qu'est-ce qui pousserait Maxwell à voler? Peu importe, mais la justice doit prévaloir. Bébé. Bienvenue. Comment vas-tu? Je vais bien. J'étais passé au bureau. Tu n'étais pas là. J'étais très choquée d'entendre la triste nouvelle du fils de mon cleaner. Vraiment? Désolé pour ça, ok? Je m'en vais là-haut me rafraîchir. Ok. Devine. Bébé, je ne saurais deviner. Dis-le-moi. Essaye. Essaye. D'accord, je m'en vais là-haut. Et une fois que je vais te rejoindre, je suis sûr que tu vas le deviner. Tu vas finir par le deviner, j'en suis très sûr. Bébé? Oui, chérie. Le business de ta mère va commencer au plus tard le lundi matin. Qu'est-ce que tu as dit? Le business de ta mère va commencer le lundi matin. Comment ça? Oui, surprise. Bien, ok. Ce matin, tu avais dit ce dont elle avait besoin, c'était 2,5 millions. Mm-hmm. Je lui ai envoyé 3 millions. Mais ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Exact. Je me souviens de t'avoir dit que Dieu pourvoirait. Et ce Dieu a pourvu. J'ai eu une affaire ce matin et ça a très bien payé. C'est une affaire compliquée et elle a impliqué une très grosse somme d'argent. J'ai juste essayé et j'ai gagné 10 millions. La partie intéressante, c'est que la cliente a déjà payé 50%. Exact. Non, tu mens. Je ne mens pas. Es-tu sérieux? Je suis sérieux. Il s'agit de quoi exactement? Je vais te le dire. Ok. Une femme possédant une boutique a attrapé un voleur en train de voler dans sa boutique. Et elle a organisé un groupe de méchants. Ils ont brûlé le voleur en vie. Et malheureusement, la famille de ce voleur ont déposé une très grosse plainte contre elle. Et son nom, c'est Ngodi Badikwe. Exact. Comment est-ce que tu l'as deviné? Je suis l'avocate en charge de ces procès. Ôter la vie de ces garçons était une injustice, d'un niveau très élevé. J'ai juré de stopper ces actions inhumaines et injustes. Une minute. Tu es en train de dire. Ok. On est en train de parler de 10 millions de nairas. 10 millions de nairas. 10 millions de nairas n'a rien de signifiant face à la vie humaine. J'ai perdu mon appétit.
Babe. Babe, tu dois abandonner cette affaire. Toi et moi savons qu'on a besoin d'argent dans cette maison. Il n'y a aucune somme d'argent qui me fera régner la justice. Oh Jésus-Christ. Même pas 10 millions de naira. Babe, de quelle justice parles-tu exactement? J'essaie d'être linéaire là maintenant. Quelle justice? Parce qu'un voleur a été tué? Écoute. Si on donne une opportunité à un voleur, il pourrait tuer. Tu ne comprends pas ça? Toi et moi savons que peu importe la longueur de la nuit, la vérité finit par triompher. Maxwell, qu'est-ce que j'ai dit? Le défunt Maxwell n'a pas été prouvé coupable. Rappelle-toi, tout le monde est innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable face à la loi. Ok, attends, si tu comprends bien correctement, ce que tu essaies de me dire, c'est que j'ai mal fait pour avoir accepté un travail allant jusqu'à 10 millions de rats? Est-ce là ce que tu es en train de dire? Alors que tu sais que ta mère a besoin d'aide? Je ne comprends plus rien là. Ça c'est pour nous. Et c'est moi l'homme de la maison. Je sais ce qu'il y a de mieux pour nous. Je suis ta femme. L'injustice est l'un des plus grands problèmes majeurs de notre société. Et sache qu'aucune somme d'argent ne poussera à travailler pour l'injustice. M'as-tu pigé? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi ton problème? Viens me dire si... Oh mon Dieu. Oh, babe, pense-y deux fois. Chérie. Bébé. Bébé, chérie, s'il te plaît. Je suis désolée de te réveiller. Bébé, je n'ai pas aimé le fait que... Je n'ai pas aimé la manière avec laquelle nous avons discuté cette nuit. Et je n'ai pas pu dormir. Écoute, je dois aider cette pauvre femme. Cette pauvre bosseuse de femme vient de perdre son fils. Je ne serais pas du tout à l'aise de ne pas lutter pour cette femme. S'il te plaît. Donc, c'est ce pourquoi tu m'as réveillée. N'est-ce pas? Je suis désolée. Es-tu au courant que cette femme innocente est en train de faire un travail légal avant que le fils d'une pauvre femme ne lui vole dans sa boutique? Un voleur. Ça ne sera pas non plus mal si je défends cette femme aussi. On est des bons avocats. N'est-ce pas? Rendez-vous devant la cour. Maintenant, dors. Chérie, le petit déjeuner est prêt.
Bonsoir, monsieur Bailleur. Oui, bonsoir. Vous êtes venu chez moi à 7h de la nuit. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Tu n'as aucun droit pour me fixer l'air de visiter ma maison. Je suis ici pour te rappeler que tu as déjà consommé ta garantie. Pour tous les 6 mois passés, tu n'arrives toujours à rien faire. Hein? Je veux mettre cette maison en location. Pour les gens qui seront à mesure de me payer. Autant convenu. J'attends que tu puisses me payer mon argent exactement dans 24 heures. Sinon, tout est bien, seront saisis. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez vu tout ce qui m'est arrivé. Vous êtes au courant de tout. En quoi est-ce que ce qui t'est arrivé me concerne? Est-ce que c'est moi qui ai envoyé ton enfant d'aller voler? Hein? Sur ce, ne m'énerve pas. J'attends que tu puisses me payer mon argent exactement dans 24 heures. Tant que cette affaire existe, j'espère que tu sais que tu es coupable. Mais ne t'en fais pas. Je vais manipuler absolument tout ça, avec mon expérience en tant qu'avocat. Mais il y a un problème. Exact. 10 millions d'Era ne suffisent pas à la résolution de cette affaire. C'est pire que ça. Si tu ne peux pas payer 15 millions de Nera, envoie-moi ton compte et je te rembourse tout de suite. Monsieur l'avocat, je n'arrive pas à comprendre. 10 millions ne peut... 15 millions quoi? C'est bien 15 millions de Nera. Il y a très peu d'avocats dans ce pays qui puissent résoudre ce problème présentement. Et je suis l'un d'eux. À moins que tu ne veuilles aller en prison. Ah... Je ne vais pas aller en prison. Bien. Je t'enverrai les 5 millions naira. Mais monsieur l'avocat, fais tout ce que tu peux. Mon mari ne m'apporte aucun soutien. Il ne me supporte pas dans tout ceci. S'il vous plaît, monsieur l'avocat, faites tout ce que vous pouvez faire. Je suis un expert, ça c'est sûr. Hmm? Alors fais-moi entièrement confiance. Ah. Sois tranquille. Allô, maman? Maman, mon ambition de devenir avocate n'est pas liée à l'argent. Mais c'est pour être la voix des sans-voix. Ton fils a été tué d'une manière inappropriée. Et je suis en train de lutter contre l'injustice. Où est le mal dans ça? Voleur, mais il n'a pas été prouvé qu'il était voleur. Je vais aller jusqu'à l'origine du problème.
Maman, si c'est pour ce problème que tu m'as appelé, en tout cas, je te dirai d'être relax. Tu n'as pas besoin de t'impliquer. Et c'est comme je t'ai dit avant, je vais aller jusqu'au fond du problème. Maman, j'étais occupée avant que tu ne m'appelles. Et je vais te rappeler plus tard. Bye. Jungle justice. Jungle justice. Jungle justice. Jungle justice. Jungle justice. Il n'y a rien en ce monde qui puisse être fait pour ramener votre fils à la vie. Il est mort et ce pour toujours. Oh. Oui. Alors je veux que vous vous calmiez. La décision que vous prendrez aujourd'hui va déterminer votre demain. Je veux vous aider. Mais j'ai besoin que vous collaboriez. Je n'ai qu'une seule mission pour vous. Et alors je vous donnerai 3 millions de liras. De quoi s'agit-il? Vous vous tiendrez à la cour en tant qu'une témoin. Et dirai à l'honorable de la cour que Maxwell était un voleur dangereux. Dites-leur qu'il a volé durant toute sa vie, bien qu'il était votre fils. Il n'y a que ça. Assez. Assez avec tes bêtises. Sortez de chez moi. J'essaie. Je dis, partez de chez moi, monsieur. Vous n'allez vraiment pas faire ça, n'est-ce pas? Je ne le ferai jamais. Partez de chez moi tout de suite. Sinon, je commettrai un meurtre. Disparaissez, monsieur. Partez de chez moi. Maxwell, pourquoi reviens-tu à cette heure de la nuit? Hein? Maman, j'étais allé voir mon coach. Ton coach? Oui, maman. Mais pourquoi? Maman, on a un match très important qu'on doit jouer bientôt. C'est pourquoi on devrait parler avec le coach, nous tous. Mmh. Oui, maman. Maman, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Qu'est-ce que c'est? Maman, s'il te plaît, je veux que tu m'aides avec 3000 pour que j'achète de nouvelles bottines. Les anciennes là sont déjà détruites maintenant. Tu veux que je t'aide avec 3000, mais où veux-tu que je trouve cette somme? Hein? C'est quoi ton problème, Maxwell? Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est à tout moment que tu viens, aide-moi avec un peu d'argent. Aide-moi avec un peu d'argent. Tu m'avais demandé de l'argent la fois passée pour acheter je ne sais quoi. Hein? Maman. Et 2 semaines plus tard, tu m'as dit que votre coach voulait demander de cotiser l'argent. Où veux-tu que je trouve tout cet argent que tu me demandes à tout moment, mon fils? Tu sais que je n'ai pas du tout un travail sérieux. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Maxwell, je pense qu'il serait mieux que tu aies été trouvé un travail. Apprends à faire un métier. De cette façon, tu seras en mesure de gagner un peu d'argent. Et oublie entièrement cette histoire de football. C'est à tout moment, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Qui sait ce que tu vas me demander prochainement? Maman. Hein? Il n'y a aucun autre travail qui est mieux que jouer au football, maman. Maman, tout ce que je veux, ce n'est que ton soutien, ainsi que tes prières et tes encouragements. Oui, maman. Maman, tu me veux que je puisse être comme mes amis qui ne font que... qui sont frustrés à cause de leur travail? Tu veux que je puisse dépasser les limites? Ce n'est pas ce genre de vie que je veux. Je veux gagner mon argent légalement. Maman, j'ai besoin de cet argent. Je prendrai soin de toi. Je suis certain, je le sens. Je sais qu'un jour, tu me verras jouer dans un grand club de football. Tu seras très fier de moi, maman. S'il te plaît, je veux prendre soin de toi. Hein? S'il te plaît, maman. Maman. Oh, t'inquiète pas. Je vais te trouver un peu d'argent. C'est pas comme si j'ai pas envie de te soutenir, mais tu sais comment nous sommes dans cette maison. Je sais. J'ai pas d'argent, mon fils. Maman, s'il te plaît, je te dis, crois-moi. Tu sais que je tu seras fier de moi. Fils.
Jésus-Christ. Jésus. Maxwell n'est donc pas celui qui a volé. Jésus-Christ. Jésus. Oh mon Dieu. Jésus-Christ. Aucun espoir. Écoute, écoute. Je viens de t'envoyer une capture. Écoute, écoute. J'ai besoin d'une investigation très sérieuse. Et le garçon qui est sur la photo doit être trouvé. Oui. Regarde bien la vidéo, oui. Oh, bonté divine. Oh mon Dieu. Tu as vu? Maintenant que mon client a été prouvé innocent, es-tu prêt à lutter contre l'injustice avec moi? Écoute, on a besoin d'argent pour survivre. Parle pour toi-même. Les garçons que ta cliente a tués étaient innocents. Essaies-tu de dire que tu ne veux pas t'aligner de mon côté pour lutter contre ceci? Je me pose la question de savoir si tu as vendu ta conscience juste à cause des 10 millions de Naira. Écoute, fais attention à ta façon de parler. Je reste toujours ton mari, cher maître Agnès. Est-ce bien clair? Avocat Smith, je te verrai à la cour.
Je croyais que tu étais intelligent. Mais... si tu étais intelligent, tu saurais que je ne ferais pas confiance à quelqu'un qui a vendu sa conscience à cause des 10 millions de naira. Pour ton information, j'ai partagé cette vidéo à 20 comptes électroniques. Je l'ai aussi partagé aux instances suprêmes. Moi, à ta place, je courrais au lit et déposer ses laptops. D'ailleurs, je vais l'utiliser maintenant. Madame, sors de ma maison. Je vais faire louer ma maison. Tu n'as pas pu me donner mon argent et tu veux rester dans ma maison. Sors de ma maison. Monsieur le bailleur, je vous en prie, essayez de me comprendre. Regarde un peu ma condition. De quelles conditions tu me parles? Hein? C'est ta sorcellerie qui t'a mis dans cet état. Tu te plains chez qui? Je te préviens. Paye mon argent. À mon retour, si tu me payes pas mon argent, je jetterai tes histoires dehors. Vous n'avez pas donné naissance à un voleur. Mon fils n'était pas un voleur. Un sens des êtres humains, tu n'en as pas. Comment peux-tu être aussi stupide? Regarde juste dans quoi tu nous as mis. Tu n'as pas pu attraper les voleurs. Tu ne pouvais pas identifier les voleurs. Je pouvais juste te ramener à la police. Tu as travaillé avec moi pendant plusieurs années. N'es-tu pas toujours intelligente? Désolée, madame. Ce n'était pas entièrement de ma faute. Hein? Je pensais que c'était la même personne. C'est à présent que je viens de remarquer la différence à travers la vidéo. Ferme ta bouche avant que je ne le fasse pour toi. Tais-toi. Non, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Si toutes ces choses ne marchent pas en notre faveur, je vais personnellement te tuer de moi-même. Hey, quitte-la. Disparais de ma vie. Pouvez-vous imaginer? C'est pas ta faute. Que Dieu t'aide. Jungle justice. Jungle justice. Jungle justice. Jungle justice. Madame, je t'avais prévenu, je ne veux plus te voir aux alentours de cette maison. Va chercher mon argent, ok? Va chercher mon argent, c'est assez demandé? Et va-t'en d'ici, je ne veux plus te voir ici prochainement, je te dis. Yeah.
Tu es toujours là. Hein? Tu penses que je plaisante? Hein? Je t'ai dit de quitter ma maison. C'est la sorcellerie, ça. Quitte ma maison. Debout. Va-t'en, va-t'en. Dégage d'ici. Dégage. Debout. Je dis, dégage-toi, dégage de ma maison, dégage, dégage, dégage de ma maison, va-t'en, va-t'en, sorcier, va-t'en, dégage d'ici, regardez-moi cette sorcière, dégage d'ici. Tu penses que je plaisante, hein? Lève-toi! Dégage! Debout! Va-t'en! Va-t'en! Dégage d'ici! Va-t'en! Dégage! Quitte ma maison! Son numéro ne passe pas, ça fait déjà 10 jours aujourd'hui. Je crois que tout va bien. Pourquoi avez-vous choisi de souffrir? Pourquoi? J'ai appris ce qui vous est arrivé. Votre bailleur vous a chassé de votre maison parce que vous ne pouviez payer votre loyer. Le mort est mort. Vous ne pouvez absolument pas ramener votre fils à la vie. Ce que vous êtes en train de faire là maintenant, c'est une auto-torture. Pourquoi ne pas accepter mon offre? Laissez-moi louer un meilleur appartement pour vous et trouver une solution à votre problème. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est témoigner devant la cour contre votre fils qu'il était un voleur et un voleur très dangereux. Et là, vous aurez une meilleure vie. Messieurs, je vous en prie. Je vous en supplie, pour l'amour du ciel, messieurs. Je ne veux plus jamais que vous puissiez vous approcher de moi. Laissez-moi tranquille. Je peux voir que vous avez choisi de souffrir. Alors, je vais vous laisser. Jungle justice.
Madame Noma. Madame Noma. Madame Noma. Madame Noma. Mais pourquoi ta femme est comme ça? Juste donne-la les 5 millions et qu'elle soit en dehors de tout ceci. Elle n'acceptera même pas. Mais peu importe. C'est une partie de mon expertise. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est que tu écoutes et que tu obéisses à toutes les instructions venant de moi. Tout d'abord, sache qu'il n'y a rien qui prouve à suffisance sur la vidéo en question que tes gens ont pris part au meurtre de ce garçon-là. Monsieur l'avocat, il est mort, la vidéo. Il y a tout dans la vidéo. Exact. Mais cette vidéo n'a pas capturé les moments où on l'a tué. Alors c'est facile, facile pour eux de nier cette accusation. La cour de cassation ne possède pas assez de preuves pour prouver ce doute raisonnable. Il est vrai que toi et tes gars êtes bien coupables. Mais ils doivent apprendre à garder silence. Merci beaucoup pour tout ceci. Je leur dirai. Je leur dirai à propos de tout ceci. Bien. Je te reviendrai une fois que la date du procès sera fixée. Ok. Je dois te laisser maintenant. Passe une très bonne journée. Merci pareillement. Merci.
Oui. Quoi? Quel hôpital est-ce là? Jésus. Très bien, je me mets en route. Dieu.
Bébé. Tu es supposé te reposer. Où est-ce que tu vas? La nourriture est presque prête. Je vais aller voir Madame Noma. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je vais voir Madame Noma. Alors, t'attends-tu à ce que je t'accompagne? J'ai déjà réservé un taxi. Babe. Chérie, faut-il vraiment que tu le fasses? Ne fais pas ça. Ta santé est plus importante pour moi. Elle est importante pour ta mère. Et elle est importante pour nos futurs enfants. Je veux que tu oublies tout ce qui a trait au travail maintenant, afin que tu te rétablisses complètement. Mon cœur ne sera jamais en paix de voir l'injustice en train de battre son plein. J'essaie de le joindre beaucoup de fois. Son numéro ne passe même plus. Je dois savoir ce qui se passe. Bébé, c'est la même Norma que tu étais. L'allais voir pendant que tu as eu un accident. Et si tu étais morte? Qu'en aurait-il été de moi? Je te verrai à mon retour. Ok? Merci. À plus tard. Babe. On va parler à mon retour. À plus. Je t'en prie, donne-moi quelque chose à manger. Ça fait des jours que je n'ai pas mangé. Je serais très heureuse si tu me donnes quelque chose à manger. Peu importe ce que c'est, le pain ou les biscuits, ça va aller. Je faim. Donc tu t'es destiné de venir à cet endroit pour que moi je te donne à manger gratuitement. Parce que je bâtis cette chose gratuitement. Hein? Tu penses que je suis un voleur comme ton fils qui s'inventait les grands footballeurs qui va gagner sa vie? Hein? Tu oses venir devant mon boutique pour que je te les donne gratuitement à manger? Tu as faim? Je n'avais pas faim. Est-ce qu'on m'avait donné gratuitement? Après tout ce que j'ai enduré pour avoir tout ce que j'ai aujourd'hui et tu viens me demander que je te donne gratuitement?
Ah, dégage d'ici! Espèce de sorcière! Qui sait, peut-être tu es venu m'ensorceler. Ne me regarde pas, dégage d'ici! Dégage, dégage, je ne veux plus te voir. Et n'ose plus retourner ici, hein? Sinon, je vais te casser l'autre jambe. Dégage, ne me regarde pas. N'ose même pas prendre ta malchance pour l'emmener dans ma boutique. Merde d'un voleur. Jungle Justice. Jungle Justice. Allô? Maman? Rien, maman. Maman, je me suis assez reposée. Maman? La course que je fais est très importante. Alors, je dois y arriver. L'audience de ma cliente aura lieu dans les 2 jours qui viennent. Alors, je dois la voir. Maman, le procès. Le procès est très important. J'ai juré d'aller jusqu'à la fin de ce procès. Je ne vais pas renoncer à ma parole, même si cela coûtera ma vie. Maman, s'il te plaît, je suis occupée, hein. Je vais te rappeler plus tard, ok? Merci. Qui cherchez-vous, je prie? S'il te plaît, Madame Noma est dedans. Noma? Qui est Noma? Madame Noma, elle habite ici. Elle n'est pas là? Non, je suis le nouveau locataire ici. Oh. Il n'y a pas de Noma ici. S'il te plaît, peux-tu savoir où elle est maintenant? La dame qui restait ici. Oh. La dernière fois que je l'ai vue, elle mendiait au marché de Ouria. Qu'est mendiait? Exact. Peut-être qu'elle est encore là-bas. Mais... Kimande. Justice.
N'essaye même pas de me toucher. Tu as réussi à frustrer la vie de cette pauvre femme. Tu crois vraiment avoir réussi en causant du tort à cette vieille femme et à ruiner toute sa vie? Tu crois que tu vas en sortir indemne? Ça se saura. On verra bien. À moins que je meure. N'essaye même pas de me toucher. Ok, bébé, ne me touche pas. Dans 2 jours, l'audience de ma cliente va siéger et je ne sais où retrouver cette dernière. Je ne sais même pas dans quelles conditions elle se trouve maintenant. Oh Dieu, aide-moi à la retrouver. Aide-moi à changer l'histoire. Madame, Onoma n'avait plus la capacité de payer les loyers et je m'étais décidé de la faire sortir. Est-ce que tu as contacté le ministère d'Habitat avant de la mettre dehors? Non, bien sûr que non. Je veux dire, ça c'est ma maison. J'ai le droit de faire tout ce que je veux de ma maison. Oh, tu te crois être au-dessus de la loi et c'est pourquoi tu penses te faire justice toi-même, ok? On verra bien. Je suis l'avocate Agnès. Et je lutte pour les droits humains. Ok. Je te vois comme un kidnappeur puisque je ne sais où voir Noma. Vous pouvez pas dire comme ça. Où Noma est justement au marché, je pense. Oui. Sais-tu ce que ça coûte ou c'est que ça te coûterait de rendre la vie d'une personne misérable? Personne n'a rendu la vie de quelqu'un misérable, ok? Et laisse-moi vous dire la vérité. C'est un avocat très riche comme vous qui m'a donné 1 million de naira. Pour jeter Noma hors de la maison et de m'assurer de rendre sa vie misérable. Oui, ils m'ont demandé de rendre sa vie misérable.
Comment s'appelle cet avocat? Le nom de l'avocat était... Monsieur l'avocat s'est mis son courrier. Monsieur, entre dans le véhicule. Bougeons d'ici. Allez, fais marche arrière rapidement. Fais marche arrière. Rapidement. Oui. Madame, maman, je t'ai cherché. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Depuis qu'ils m'ont jeté hors de la maison, je suis dans cet état. Hein? Allez, aidons-la. Amenons-la à l'hôpital. Ah, c'est vas-y, aide-la, aide-la. Aide-la. Ne vous en faites surtout pas, madame. T'inquiète, madame. Venez, t'inquiète. Madame. Venez avec elle. Ah, amenez-la dans le véhicule. Doucement, vas-y, madame. doucement. Okay. Doucement. Allez, ça va aller. Doucement, madame, doucement.
Doucement. Bonjour, monsieur l'officier. Oui, bonjour, jeune homme. Comment vas-tu? Je veux bien, monsieur. Très bien. Je vous prie, monsieur, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Nous sommes à la recherche de madame Goldumbadiwe. Elle est notre madame. Y a un problème? Pas vraiment. Mais nous avons absolument besoin d'elle, urgentement. Ok, donnez-moi juste 2 minutes pour que je l'appelle. Je reviens. Ok, pas de problème. Bonjour, officier. En quoi puis-je vous aider? Bonjour, madame. J'espère que c'est vous, Goldumbadiwe. Oui. Précisément, le 18 mars, vos actions ont conduit à la mort d'un certain monsieur Maxwell Obidike. Le véritable voleur de votre shop a été arrêté et sera conduit devant la cour demain. Et ce, avec vous. Et pour ça, vous devez garder silence et coopérer avec nous. Car toute action que vous pourrez entreprendre sera utilisée contre vous devant la loi. Bien, madame, suivez-nous. Ah, puis-je au moins appeler mon avocat? Vous ferez cela à la station. Donc, s'il vous plaît, et avancez. Allons-y. Allez-y, allez-y. Embarquez-la. Embarquez-la. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues